maintenant, il faut que je t'explique tout. Sans que tu te barres. Tu me laisses comme un con. Même si... j'ai pris une sale gueule. Que ni mes cheveux ni mes fringues ne sèchent. Que je ne voudrais pas regarder dans mon dos le miroir. Alors que toi, la pluie ne t'a même pas mouillé. La pluie a passé à côté de toi. Les heures passent à côté de toi. C'est là que j'ai eu raison de comprendre que tu n'es qu'un enfant. Tout passe à côté. Rien ne bouge. Rien ne prend une sale gueule. Moi, j'évite les miroirs. Et je n'arrête pas de te regarder. Toi, qui ne change pas. Et s'il n'y avait pas cette question d'argent, je me paierais une bière. Plutôt que du café. On s'en boirait quelques-unes. Comme j'en ai eu envie dès le début de la soirée. J'en ai déjà bu une. Ou deux. Ou trois, ou quatre. Ou plus. Je sais plus combien. Tout le fric que je voulais claquer, on le claquerait maintenant. Il n'y avait pas ça qu'on me l'a piqué juste avant. Un sale coup comme ça et il ne me reste plus rien que ce que j'avais dans la petite poche de devant. Juste pour deux cafés. Dans le couloir du métro, il y avait deux loubards. Des loubards qui cherchent, qui vont faire quelque chose. Des loubards sapés qui tiennent la forme. Moi, je marche derrière eux, je me dis, on peut se boire une bière ensemble. Des loubards si bien sapés que j'ai toujours envie de courir derrière eux et de leur dire, donne-moi tes fringues, tes chaussures, ta démarche, ta gueule, telle qu'elle, sans rien changer. Moi, je te donne ce que tu veux. Et s'ils me les donnaient, je me retournerais même pas pour voir ce que je deviens. Eux m'avaient pas vu. Moi, je les quitte pas des yeux. Je monte derrière eux dans le premier métro en me disant je les invite, on passe le soir ensemble et on s'emmerde pas. Et pendant ce temps-là, je sens qu'il y en a un qui met la main dans la poche de mon pantalon et qui me tire mon portefeuille. Alors moi, je bouge pas tout de suite. Je me dis je leur parle. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors je me retourne et je leur dis « Ok, faites pas les cons, je vous invite, on passe le soir ensemble et on s'emmerde pas. » Le loupard derrière moi, il regarde son copain. Puis ils disent rien. Comme s'ils ne m'avaient pas vu. Alors moi je leur dis « Ok, faites pas les cons, on boit un coup, on parle un coup et on continue ensemble. » Ils se regardent toujours. Ils disent toujours rien. Comme s'ils ne me comprenaient pas. Puis comme ça, petit à petit avec les yeux, ils se mettent d'accord. Et ils commencent à parler de plus en plus fort. Pour que tout le monde entende. Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Pourquoi il nous les casse? Il nous cherche ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il me pousse contre la porte du métro. Spédé à la prochaine station, on lui casse la gueule. Alors moi je leur dis, ok, vous me rendez mon fric et c'est bien comme ça. Mais eux ils disent, spédé à la prochaine station, on le descend et on lui casse la gueule. Et personne ne bouge. Personne ne réagit. Personne ne croit au fric.
Tout le monde croit au PD. Alors je me fais descendre à la première station, sans que personne ne bouge. Puis une fois qu'ils ont fini de me casser la gueule, comme au dernier PD, puis qu'ils se barrent avec mon fric, malgré ce que je gueule et ce que personne ne croit, moi je bouge pas tout de suite. Je me dis, t'excites pas. Tu t'assois là sur le banc, tu bouges pas. Alors je les regarde, c'est tout. Et ça va bien.